L'expression de la joie de ses fidèles de la paroisse de l'église africaine du réveil de Tévédji dans la commune de Wenri est la présence parmi eux du pasteur fondateur Salomon Oussou Sotodonou, venu une fois encore visiter ses fils et filles. Mais le problème, où est le nid tout le monde maintenant? Mais d'autant, mais d'autant. Chose et le sang-là, d'être guéri. Bien qu'il te tienne d'avoir les mains. Mais le nid de Jésus de nid, mais le nid de l'air. Pour lui dire, où est-ce que tu as le nid? Il y a un jour à Soudan pour nous chier. Et les deux, il y a vraiment deux, mais deux beaucoup à Soudan. Pour le culte du jour, le pasteur fondateur a invité les fidèles à marcher selon l'esprit de Dieu et non celui de la chair. Enfant de Dieu, marche avec l'esprit de Dieu et non avec l'esprit de la chair. Enfant de Dieu se sépare du péché et non combine le péché à l'adoration. Quiconque fait de cette manière-là, adore le diable, toujours. Continue d'adorer le diable. Quand on marche dans le péché, on continue d'adorer le diable. Occasion pour Mathias Dancy, natif et fidèle de la paroisse de Tévédji, de lancer un vibrant appel aux fidèles de l'église africaine du réveil du monde entier. L'appel que je lance aux fidèles d'abord de Tévédji et d'ailleurs, c'est d'écouter attentivement l'appel de Dieu et de répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a que Dieu, la foi en Dieu, pour nous délivrer de tous nos problèmes et de nous bénir, de nous rendre heureux. Autrement dit, celui qui refuse d'écouter Dieu, d'adorer Dieu, d'obéir à Dieu, il aura choisi le chemin du malheur, le chemin de la désobéissance, et ce sera très grave pour celui-là. Donc, entre la vie et la mort, chaque citoyen, chaque enfant de ce village et d'ailleurs doivent savoir choisir le bon chemin pour aller vers Dieu. Il faut noter que le pasteur fondateur est satisfait de l'évolution physique, matérielle et spirituelle de cette paroisse et les invite à poursuivre dans le même sens.